Des fois, c'est pas une variante de prix. Des fois, je vais voir quelque chose à, mettons, 500$. Puis, je vais voir quelque chose qui fait qu'il a la même utilité à 100$, mais que le 100$, je le trouve plus beau, plus utile, plus... qui correspond plus à mon genre. Ben, je vais prendre l'affaire à 100$, même si j'ai les moyens de me payer celle de 500$. Tu sais, exemple, c'est grosso modo. Moi, il faut que j'aille l'étincelle qui me fasse vibrer en regardant le truc, l'objet, le matériel, peu importe ce que c'est. Si j'ai pas cette étincelle-là, je le connais, puis je suis comme, bon. Ça me tente pas. Tu sais, l'envie est pas là. J'étais perdu encore dans mes pensées, je pensais un petit peu... Là, j'avais en tête le truc de la bûche que je voudrais refaire, mais pour une bonne cause cette fois-là. Puis peut-être aussi par défi, si, mettons, il y a un record du monde de... un record Guinness, mettons, de rester immobile, de rester, je veux dire, d'endurance sur un tronc d'arbre, exemple. J'aimerais ça le savoir, puis... Peut-être si je suis capable de ramasser des fonds pour la Fondation des étoiles que je vous ai parlé le deux soirs de tout ça. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien gros faire. J'aimerais ça ramasser des fonds pour cette œuvre de charité-là. C'est ça que j'avais en tête présentement. Fait que c'est ça. Les activités. Hey, David, es-tu fort ces activités? Hey, j'étais comme. C'est une machine à compétition. Là. Il me fait penser vraiment justement un petit peu plus là, comme à Cass ou à Thomas là, de mon année. Tu sais, un mix entre les deux. Musclé comme Cass, tu sais, avec la drive de Thomas. Là. Puis. Il est dangereux, David. Il est dangereux. Côté compétition, en tout cas. Dave, c'est un joueur qu'on apprend à apprécier. Ça, c'est... Ça peut être assez hard s'il est toujours sur une pente montante. Parce que s'il est toujours sur une pente montante, à la fin, il pourrait gagner juste par la vague. Tu sais, quand il y a un mouvement de vague vers un joueur, là, ça peut être vraiment fort. Ça, à l'intérieur, on le perçoit pas. Mais à l'extérieur, je sais pas. En tout cas, peu importe, je vais avoir fait cette semaine dans l'offre. Là, c'est la sixième se termine. Mais c'est certain que je vais survivre jusqu'à minimum dimanche prochain. Écoutez, je suis extrêmement fatigué pour ce soir. Fait que je vais vous remercier vraiment beaucoup. Beaucoup. D'appeler semaine après semaine pour m'immuniser ou pour me sauver du balatage. J'en reviens pas. Je suis vraiment content. Je vous apprécie vraiment énormément. J'arrête pas de vous le dire, mais je vous le redis encore à soir. Ça me fait vraiment plaisir de vous jaser à ma sortie. On se prend quelques petits messages, un MSN, sur les forums, peu importe là. Gênez-vous pas à m'écrire. Je vais répondre à tous mes courriels, tous mes messages. Je vais tous le répondre un par un, même si ça me prend encore 3 mois. Soyez patient, par exemple. Parce que la dernière fois, ça m'avait pris 3 mois pour faire le tour. Fait que... Soyez patient. On sait jamais, mais c'est sûr que je vais répondre à tout le monde. Tant que vous écrivez sur mes affaires officielles, là,
Parce que si vous m'écrivez, je sais qu'il y a du monde qui ont créé des fausses pages de moi ou des fausses affaires, des faux comptes ou du monde qui se font passer pour moi. Ça, oubliez ça. Non? Ça, c'est sûr que. C'est sûr que je vous répondrai pas. Mais un gros merci. Un gros merci à date. Puis j'espère vraiment être à la hauteur de vos attentes. Moi, souvent, des fois, j'ai pas cette perception-là de l'intérieur. Ça me déçoit beaucoup. Mais j'espère quand même que je le suis. Fait que. On est passé minuit, fait que un beau bonjour à toutes les mères aussi à la maison. Peut-être qu'il y en a encore qui nous écoutent à cette heure-là. Un beau bonne fête des mères. Je pense vraiment que les mères, c'est super important dans notre vie. Moi, ça a été toute ma vie, ma mère. Fait que bonne fête des mères. Prenez soin de vos enfants. Ils sauront vous le remettre plus tard si. C'est bien pas d'un trip d'égoïsme et autres. Mais honnêtement, les enfants aiment toujours le père. Puis c'est réciproque. Donc. J'embrasse très fort ma blonde. Ma blonde que j'aime, à qui je pense trop souvent peut-être. Trop, ouais. Fait que mon amour, je t'aime. Bonne fête des mères à ma mère qui doit être extrêmement heureuse de rester à Québec demain. Elle est heureuse de me voir, que je suis immunisé et de faire en sorte qu'elle n'aura pas besoin de se déplacer pour l'occasion. Maman, je t'aime énormément. Toi aussi, un gros bec. Et là, je vais arrêter de faire mon quétaine, mon peu importe ce que vous. Peu importe comment qu'on peut s'en amener. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais peut-être aller dire un petit bonjour à ma. Pas à ma, là, mais à la maison Bonneville. Je te demande, vous savez, je vais conclure là-dessus, inquiétez-vous pas. Je vais vous laisser aller dormir après. Vous savez, je me crée vraiment des gros scénarios. Tu sais, j'essaie de faire de la visualisation. Je sais qu'il y a beaucoup de livres là-dessus, bon, le secret, des trucs genre. Moi, je lis pas ça. Moi, je sais qu'il faut visualiser, puis se minder pour avoir quelque chose. Puis, présentement, je visualise beaucoup la maison. À chaque moment de la journée, je la regarde, je m'imagine les décorations de Noël que je vais mettre dessus, mon bureau, ce que je vais l'installer, où ce que je vais écrire mes livres, ma salle à coucher, comment je vais l'amener. Tu sais, je pense à plein de choses quand je regarde la maison. C'est le seul moment ici, à l'intérieur du loft, si je viens qu'à ne pas gagner, que je vais avoir eu l'impression de l'avoir habité cette maison. Parce que si, mettons, à la finale, c'est pas moi qui gagne, c'est correct, mais le rêve va s'être éteint, ça va être fini. J'y penserai plus, là. Je pourrai plus visualiser cette maison-là ou visualiser ce qu'elle représente. Donc, moi, je me dis que c'est.